oui, bien évidemment, de votre venue ici à l'ESPE, dans l'amphithéâtre de l'ESPE du Nord de France. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants à cette journée, qui ont beaucoup travaillé, vous l'avez vu, pour cette journée. Je voulais aussi remercier Corinne Désirion et Jérôme Kraut, les organisateurs vraiment fondamentaux de cette journée, pour leur idée, pour leur investissement dans cette journée. C'est eux les intermédiaires, ceux qui ont monté cette journée quelque part. Et moi, il me semblait très intéressant à trois points de vue, donc je vais aller très vite. Hein. Par sa dimension quelque part pluri-institutionnelle, puisque c'est à la fois l'ESPE du Nord de France et le CRES de l'Université d'Artois hein, qui finance, qui participe à cette organisation mutuelle quelque part de la journée. Dimension pluricatégorielle, puisqu'il y a des collègues du primaire, des collègues du secondaire, des collègues de l'inspection. Donc il me semble que c'est vraiment ce qu'il faut essayer de faire, ce qu'il faut systématiquement essayer de lier ensemble. Et dimension pluridisciplinaire, alors c'est vrai que ça penche fortement côté histoire, mais nous avons quand même ici à la table une collègue de philosophie, et puis on a aussi des collègues qui sont dans le premier degré, et qui quelque part sont par définition polyvalents. Donc je vais tout de suite passer la parole aux collègues. Ce qui me semble là aussi intéressant dans cette table ronde, hein, je veux dire comment on l'a organisée, c'est bien évidemment cette question de l'enseignement hein, des violences de guerre. Pourquoi les enseigner? On peut quand même se poser la question. Vous savez que fin 19e, début 20e, un pédagogue du primaire comme Jules Payot avait beaucoup milité en disant si c'est pour constamment en histoire et raconter des histoires de guerre, dans ce cas-là, autant pas faire d'enseignement de l'histoire du tout. Il faut éduquer à la paix, il faut éduquer à la solidarité, et l'enseignement de l'histoire et ces guerres, il y en a un petit peu marre. Bon. Donc la question se pose, pourquoi enseigner les violences de guerre? Dans quel sens? Éduquer à la paix, éduquer le citoyen, éduquer. Donc là, les collègues vont essayer de répondre. Et la deuxième question qui se pose là aussi dans cette table ronde, c'est comment enseigner? Par quel relais? Par quel moyen documentaire? On l'a déjà vu un petit peu tout à l'heure avec les deux exposés. On peut aussi se poser la question, comme tout à l'heure, des témoins. On peut se poser la question des documents qui peuvent permettre quelque part d'entrer dans cette thématique. Donc j'en dis pas plus. Table ronde, trois intervenants. On va changer un peu l'ordre par rapport au programme. Donc, premier intervenant, Martine Drozinski, qui est conseillère pédagogique, donc spécialiste de l'enseignement élémentaire, du primaire, et qui va nous présenter des éléments sur enseigner la Shoah en CM2, quelque part, en proposant aussi un extrait vidéo, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis techniques. Deuxième collègue à intervenir, donc Jean-Baptiste Gardon, à ma droite, hein, qui aujourd'hui est professeur chez nous à l'ESPE et qui a eu une très longue pratique de l'enseignement secondaire dans différents établissements et qui est aussi engagé depuis très longtemps dans les travaux de recherche hein, sur comment on peut aussi enseigner quelque part la Shoah. Et il s'est beaucoup investi au niveau du musée de la résistance de Montdu et au musée de la maison natale de Charles de Gaulle. Et la collègue à droite, la collègue philosophe, donc Bérangère Cordier du Change, qui est professeur agrégé au lycée de Quénois, et qui nous présentera quelque chose sur cette question de la violence, quelque part, en philosophie. En quoi c'est aussi une thématique intéressante, importante, et comment essayer de réfléchir en éducation sur quelque chose qui est violent, alors qu'on devrait tous être des tolérants, des esprits fraternels. Voilà, je vous cède la parole bien volontiers à la première intervention. Donc 15 minutes chacun, un petit temps d'échange et de questions, et on gardera un dernier temps de questions tout à la fin. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est vrai que cette question de violence m'intéresse depuis longtemps et avec les enseignants de premier degré, nous nous interrogeons souvent à comment parler de la Shoah à l'école, comment parler de rejet, d'humiliation, d'angoisse, du classement de la population, quelle activité de mettre en place hein, pour avoir une cohérence. Alors c'est vrai que les enseignants du premier degré jusqu'à présent étaient assez frileux, en difficulté pour certains, en difficulté pour aborder cette question, hein, cette question des violences. Comment me disait-il finalement mettre en place une version pudique des événements? Alors, face à ces craintes, face à ces réactions, j'ai moi-même souhaité une formation à Yad Vashem. Donc j'ai rencontré des professionnels, des collègues, pour avoir une meilleure visibilité. J'ai eu la chance aussi d'assister à une cérémonie de médaille parmi les justes. Donc évidemment, en tant que formatrice, ça m'a aidé aussi à remettre du sens, à mieux comprendre leurs préoccupations, les enjeux. Alors,
Le hasard du calendrier fait qu'en novembre, nous allons accueillir dans notre circonscription Gaëlle Toyi, hein, présidente de l'association L'Enfant et la Shoah, qui viendra justement parler à nos enseignants, remettre peut-être du sens, discuter avec eux, les réconforter peut-être. Alors ce matin, moi j'ai souhaité que vous puissiez entrer dans une salle de classe, hein, donc des élèves de CM2 sur Aluin. Alors malheureusement, vous ne pas pouvoir voir la totalité de cette vidéo parce qu'il y a des problèmes de son. Donc avec Jérôme, on a essayé de trouver quelques éléments forts, quelques éléments clés justement pour comprendre comment les élèves de CM2 se sont appropriés cette question. Alors, dans une séance 1, en fait, l'enseignante a fait des récits, hein, a discuté, si vous voulez, bon, bah, de la situation. Les élèves ont également vu l'enfant pyjama rayé. Et donc, moi, je suis allée filmer une séance 2. Donc, des enfants qui travaillaient en atelier ont régné, évidemment, la coopération, l'échange, la discussion, l'argumentation. Donc, elle avait mis en place 4 ateliers. Un atelier avec des images et des photos provenant de la mallette L'Enfant et la Shoah, donc des textes, des images. Il y avait un autre atelier où il était question également de textes, mais plus particulièrement, les enfants devaient travailler autour des émotions, autour de l'angoisse, de la tristesse, de la haine, de la vexation. Un autre atelier où ils devaient justement réfléchir autour de la vie des Juifs sous l'occupation. Et le quatrième atelier, en fait, ils devaient lire certains extraits et venir ensuite en parler aux camarades. Donc l'enseignant travaille énormément autour des cartes mentales. Donc en fait, ils ont cette expérience-là, cette expertise-là. J'ai bougé pour... Pour que sache que c'est eux, les Juifs, interdiction. Ils étaient interdits de tout télé, radio, vélo, train, école et activité. Donc en fait, dans cet atelier-là, vous le comprenez bien, hein, ils devaient travailler sur les conditions de vie. Donc en fait, ils ont bien repéré à partir des textes ben, qu'il fallait fuir, sinon ils étaient enfermés ou expulsés, que leur vie quotidienne était très compliquée, qu'en fait, on les repérait hein, avec cette étoile jaune, et ils ont bien compris que, évidemment, la difficulté, c'était ce repérage-là, et ils ont su en parler avec leurs mots, de façon juste, Donc ça, c'était donc un premier atelier. Interdit aux chiens et aux juifs. Il est traité comme des chiens, comme des animaux. Il voulait les exterminer, alors qu'il disait que c'était comme des animaux, il ne voulait pas de nous. Alors qu'est-ce que vous pensez de la vie de ces juifs sous l'occupation? C'est mal, parce qu'ils veulent absolument exterminer les juifs, et ils font ça de manière... Qui voudrait rajouter quelque chose sur la vie quotidienne des Juifs par rapport à ce qu'elles ont dit? Vous avez tout compris? Ce qui est intéressant, c'est que la petite fille va rebondir et va continuer à redonner ses connaissances, ses représentations, juste après, en fait. De précision? La Shoah est un mort, une catastrophe.
Catastrophe, ça veut dire expectation de ça à ce qui est juste. Par exemple, on a dit, ça ne veut pas dire les adolescents. La fille, ça veut dire qu'il est avec les avants qui étaient racistes, les juifs, et les humains. Donc, avant d'être assassinés, les juifs étaient dans le lieu, dans les ghettos, dans les camps de travail, et leur position de vie était. Nazis obligés de tuer cette façon de mettre en place la pédagogie de l'oral. Hein. Ils ont travaillé autour des documents, ils les ont compris, et en plus après, ben, ils peuvent venir en parler aux camarades. Donc c'est vrai que cette histoire de carte mentale structure les apprentissages, leur permet également de mémoriser, mais surtout de prendre la parole. J'ai oublié de vous dire aussi que cette école était une école en difficulté, que les enfants avaient des conditions de vie difficiles. Donc, vous voyez un peu l'esprit de ces cartes mentales. Donc ensuite, là, l'enseignant souhaite qu'ils retiennent des mots-clés par rapport à ce qu'ils ont entendu, par rapport aux groupes qui sont passés. Ils doivent noter, en fait, les mots les plus importants qu'ils ont envie de retenir et qu'ils auront évidemment à noter dans leur cahier. Peut-être un petit moment de ces mots-clés. Les exterminations des 5 à 6 milliers, millions. C'est juste. Alors pourquoi il faut retenir, c'est vrai, on va rester sur ce beau mot de juste, hein, sur la façon dont des hommes se sont comportés. Et moi j'aime bien ce mot juste. Alors pourquoi l'as-tu choisi, mademoiselle, ce mot juste? Parce que c'est important. Ils ont protégé, oui. Des caches. Des caches. Des caches dans des fermes, des forêts. D'accord. Ils habitaient en ville. Et même s'ils savaient qu'ils pouvaient plus de l'Amérique, ils s'habitaient. Ils avaient quand même des juifs à vivre. Donc moi j'aime beaucoup ce qu'elle dit, hein. Ils sacrifiaient leur vie. Et pour quelle raison il faut retenir cette idée, ce message? Ils étaient parce qu'ils étaient contre les Allemands. D'accord. Ils sacrifiaient leur vie au péril de leur vie. Et c'est ce qu'il faut retenir, hein, de cette période qui est très triste, hein, très, très sombre. Mais il faut rester avec cette belle idée de personnes qui ont sacrifié leur vie, comme le dit votre camarade, pour aider d'autres personnes. A mis en place dans la classe, et j'ai pu le constater, évidemment des valeurs positives, hein. On a travaillé autour de l'empathie. Alors à mon sens, un travail très gratifiant pour les élèves, hein, parce qu'on s'interroge aussi sur son propre comportement. Et donc on réfléchit, hein, autour de certaines notions, hein, importantes, universelles, hein, de solidarité. Et c'est vrai qu'à la fin de la séance, les élèves m'ont dit, bah, nous on aurait envie, hein, de nous donner tous la main, hein. On aurait vraiment envie que ces moments-là n'existent pas. Et à mon sens, le travail autour de la fraternité prenait évidemment tout son sens à partir de cette petite réaction. Alors évidemment, bah,
pédagogique de l'oral, comme je vous l'ai dit, hein, avec cette logique participative très importante, hein, faite d'écoute, faite d'échanges, de réflexion. Ils répondent à des questions, ils écrivent, ils décrivent en quelques lignes des situations, ils réalisent une courte présentation orale avec support. Et en fait, on retrouve évidemment toutes ces compétences-là dans le socle commun des élèves du cycle 3. Voilà ce que je pouvais vous dire à partir de cette séance que j'ai pu vivre avec les élèves de CM2 de l'école Massé d'Aluin. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de conserver, de noter vos questions absolument sur votre papier, et d'enchaîner tout de suite avec les trois collègues pour se garder du temps vraiment de questions, parce que là, si on ouvre le débat maintenant, je crains que les deux collègues ensuite aient beaucoup de temps. Donc on vous laisse la parole et après on garde du temps, un quart d'heure, pour vraiment réagir à vos propos. Merci. Je voudrais juste préciser une chose. Je prends la parole en tant qu'enseignant du secondaire, pas spécialement en tant que formateur esprit, parce que je le suis depuis 7 ans. Et je voudrais très rapidement vous faire un petit topo. J'ai commencé en 1996 à enseigner ces questions-là au lycée Jean Moulin à Roubaix jusqu'en 2014. Puis, de 2014 à 2017, j'ai enseigné au collège de Lazaro à Marc-en-Barœul. C'est la même question. Ce sont les mêmes problématiques, mais ce n'est pas le même public. Et ce ne sont pas forcément les mêmes méthodes, et je ne pense pas qu'il y ait une méthode universelle. Donc il y a d'abord une, ça peut paraître prétentieux, mais une intelligence du public, comprendre ce qu'il attend, quelles sont ses représentations, et en fonction de ça, ensuite, commencer à construire un parcours qui va être adapté. Les cours que je faisais à Jean Moulin, je pense que ça n'aurait pas forcément fonctionné dans d'autres établissements, et inversement. Donc ça c'est la première chose, je vais essayer de vous parler rapidement de quelques expériences réalisées à Jean Moulin, ça ne veut pas dire qu'elles sont transférable tel quel dans d'autres établissements, et puis du travail autour du concours de résistance que Christine Delmer a déjà évoqué, mais je voudrais revenir un tout petit peu dessus, et un tout petit peu sur le témoignage, et élargir sur la question des archives, l'utilisation des archives en classe. Première chose, j'ai commencé en 1996 à enseigner cette question-là, et j'étais absolument insatisfait de la façon dont ça se passait. Je n'étais pas vraiment content. Et donc, je me suis tourné vers la formation continue, qui existe et qui répond à nos besoins, mais bon, qu'il faut entretenir, développer et conserver, je pense. Vous serez d'accord avec moi. Elle est fondamentale parce que cette formation continue, la formation initiale des enseignants est parfois sur cette question-là uniquement un peu rapide quand elle existe. La formation continue est importante, que ce soit au niveau du plan académique de formation, avec le mémorial de la Shoah ou avec d'autres organismes, mais ça me semble indispensable pour se mettre à jour. Les cours que je faisais en 1996 et ceux que je faisais en 2010-2014, ça n'avait plus grand-chose à voir et c'était plutôt un progrès. Première chose. Deuxième chose, je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait avec ces élèves-là, en particulier, était ce qu'on appelle une pédagogie de projet. On va faire quelque chose ensemble. Alors, on ne peut pas emmener tous les élèves forcément en première de toutes les classes de Auschwitz dans le cadre d'un partenariat avec le mémorial. Ce n'est pas possible matériellement, c'est peut-être pas non plus indispensable, loin de là. Mais on a pu le faire avec une collègue de français. Donc la question de l'interdisciplinarité. Travailler seul sur ces questions-là, il me semble, ça n'engage que moi, difficile. Mais on peut s'appuyer sur une autre discipline qui permet de gagner du temps aussi. Une question de moyens. On ne peut pas consacrer dans les élèves 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine. On peut peut-être déborder un petit peu avec la collègue de lettres ou d'autres disciplines pour en parler. Après, il y a une organisation, pour savoir qui est le wagon de tête, qui se met au service de l'autre. Je pense que 50% ne fonctionne pas bien. Il faut qu'il y ait un wagon de tête, selon l'histoire des choses, mais il faut se répartir les tâches. Donc nous avons fait ça avec une classe de première d'adaptation. Ce sont des élèves qui viennent du lycée professionnel. C'était en, je ne me trompe pas, ça date de 2007. Des élèves qui venaient de lycées professionnels et qui intégraient une filière STMG en première. Pas forcément tout à fait sensibles à ces questions-là, qui nous expliquaient clairement que ça ne les intéressait pas plus que ça et que d'une certaine mesure, ce n'était pas leur histoire. Point. C'est pas notre histoire, ça c'est la version, on va dire, soft de la chose. C'est pas notre histoire et puis petit à petit, c'est devenu leur histoire. C'est devenu leur histoire quand on leur a expliqué que c'était une histoire de discrimination, de rejet, de haine, de racisme.
c'était une histoire qui était liée très très souvent à l'immigration, souvent ça faisait écho à leurs histoires personnelles, que c'était une histoire qui concernait l'humanité et qui faisait partie de cette humanité, que c'était une histoire européenne et pas simplement, donc c'était leur histoire aussi, pas plus et pas moins que d'autres. Et pour les aider à accepter cette idée-là, à avancer là-dessus, on a choisi de s'appuyer sur un certain nombre de témoignages qui sont, ça n'engage que moi, un moyen et certainement pas une fin. Et comme l'évoquait Christine Dalbert, ils ne sont pas forcément, excusez-moi pour cette expression, autoportants. Le témoignage ne suffit pas, c'est une porte d'entrée possible et il faut ensuite le contextualiser. Nous avons eu la chance, avec cette place-là, de rencontrer Albert Yellman, qui était déporté à Bergen. Par hasard, Charles Baron, on avait utilisé le témoignage vidéo de Charles Baron, et en allant au mémorial, on est tombé sur Charles Baron et son épouse, donc on a pu avoir, on passe son témoignage, on discutait avec lui, et on a évoqué Ida Grinspan, à Auschwitz toute la journée, qui nous accompagnait. C'est relativement exceptionnel pour une classe d'avoir trois témoins différents. Je pense à Lily, qui n'est pas là aujourd'hui, Lily Léniel, Rosenberg, mais qui témoigne inlassablement, je sais pas, trois ou au moins deux ou trois fois par semaine, par moment, dans les différents établissements de l'Académie, la France entière et l'Europe maintenant, l'Allemagne, un peu partout. Lily, nous sommes 73 ans après la libération, après la fin de la guerre, Lily témoigne, je lui souhaite longue vie, mais Lily ne va pas témoigner éternellement. Donc, à un moment donné où ce temps des témoins, il va falloir trouver un autre support et on ne peut pas s'appuyer uniquement là-dessus. Donc, dans un deuxième temps, j'ai essayé de travailler à partir du concours de la résistance, en m'appuyant sur ce projet-là, le concours de la résistance, en utilisant les ressources en ligne, qui faisaient office de formation continue, parce que vous avez différents livrets qui sont publiés par différentes fondations, par, je m'excuse, je fais un peu de, pas d'autopromotion, parce que je n'y suis plus, par le musée de la résistance de Bondu, qui fait une exposition annuelle qui est très construite, il n'y a pas le musée de la résistance de Bondu, avec Paul Delfaux à Saint-Omer qui propose un certain nombre de choses. Et donc en s'appuyant là-dessus, sur ces expositions, je pense aussi à la caserne d'Ossin, je ne sais pas si vous connaissez la caserne d'Ossin à Malines, en Belgique. Pour faire court et vraiment schématiser, la caserne d'Ossin et Malines, c'est l'équivalent français, enfin, belge et pour le Nord-Pas-de-Calais de Drancy. C'est un lieu de transit avant une déportation, principalement à 99% vers Auschwitz. Et donc c'est quasiment 24 900 et quelques hommes, femmes et enfants qui sont passés par Malines et qui ensuite sont allés principalement vers Auschwitz. Donc s'appuyer là-dessus, sur les ressources pédagogiques, sur les ateliers, sur les structures et sur voilà, les documents pédagogiques et les projets qui nous étaient proposés. Le CNRD, un travail interdisciplinaire, la question des témoins. La difficulté des témoins, avec les témoins, c'est que, et j'ai eu ce souci-là avec Lily, et c'est pas un souci, c'est une, dans toute la cité de bénédiction, Lily n'est pas allée à Auschwitz, elle a été déportée à Ravensbrück. Donc Lily peut témoigner de son expérience, mais par définition, elle ne peut pas témoigner de l'anéantissement, puisqu'elle est là, elle ne l'a pas vécu. Donc elle peut témoigner de la déportation, elle peut témoigner des conditions, je dirais, de survie, de déportation, elle peut témoigner de son expérience, point. Pour le reste, il va falloir s'appuyer sur autre chose. Et cette autre chose, j'ai choisi par goût, et puis pour retourner un petit peu vers les archives, d'aller fouiller un peu dans les archives municipales. Les archives municipales de Rombert, il y a quelques années, c'était un petit peu particulier. C'était un mode d'organisation qui était assez original, très rombésien, et qui s'est un peu franchement structuré. Alors, pour ceux qui connaissent les archives municipales de Rombert, il y a quelques années, c'était assez vivant, je pense que ça vous fait image. Totalement surréaliste. Aujourd'hui, ça se passe très très bien, très très bien. Donc, des archives municipales de Roubaix, des archives départementales du Nord, ça prend du temps. Ça prend une journée, ça prend une demi-journée de temps en temps. Mais c'est un investissement. Mais ça fait 10 ans, j'ai encore ces documents et voilà, j'ai gagné un temps fou sur d'autres choses. Et je me suis appuyé. Alors, c'est juste un exemple que je vais essayer de formaliser cette année ou dans les années à venir, pour, si possible, le rendre disponible. Je me suis appuyé sur une famille, sur la famille Rabi. Alexander Rabinovitch. Et donc j'expliquais aux élèves l'histoire de ce Alexander Rabinovitch. Je vous fais son histoire très brièvement. Il est né en Pologne, la paix russe, en 1888. Immigré, il arrive à Paris en 1910. Il travaille dans le textile comme coursier, magasinier. Il épouse sa femme, une jeune polonaise. En 1914, juste avant de s'engager dans la Légion étrangère, il fait toute la guerre. La Première Guerre mondiale,
comme soldat, puis comme bagnard. Il a un petit problème avec l'autorité, donc il va passer un an ou deux dans un bagne militaire et il revient parce qu'on a besoin de forces vives. Il est blessé, cité voilà, à plusieurs reprises. On traite l'immigration, on peut rentrer dans la Première Guerre mondiale aussi par une biographie. Alexander Rabinovitch, c'est pas toute la Première Guerre mondiale, mais on peut peut-être rentrer par ce personnage. Il revient en 1918-19, il est démobilisé. Dans les années 20, il s'installe dans l'Aisne. Il demande la nationalité française, il ne l'obtient pas. Parce qu'il y a un dossier militaire, parce qu'il est de mauvaise moralité, donc il finit par l'obtenir. Il fait franciser son nom, Alexandre Rabin, au lieu d'Alexander Rabinovitch. Et puis, en 1940, il est installé à Roubaix, 20 places de la liberté, c'est-à-dire à 200 mètres du lycée. Et 200 mètres du lycée, je leur montre la photo aux élèves, je leur dis, c'est peut-être pas votre histoire, mais c'est votre vie. Et ce qui aujourd'hui est, je prends un café au rez-de-chaussée, voilà, trois fenêtres, c'était... Ouais. Donc on n'est pas dans le pathos, mais on va ancrer l'histoire dans des éléments qui sont sensibles, réels. Le vin en place de la liberté, il passe devant, il le voit. Le magasin, ça peut être plus, chez Flore, mais voilà, c'est là. Et je vais leur parler de Rabi, d'Alexander Rabi, de son frère, qui a été fusillé en tant qu'otage, en 43, si je ne me trompe pas. Donc Alexander Rabi, je reprends pour ne pas me tromper et dire de bêtises, qui est arrêté en juillet 1943, qui passe par Malines, qui est assassiné immédiatement sur place, il a 57 ans, qui est sélectionné immédiatement. Ses enfants, deux de ses enfants les plus jeunes sur place, sont cachés par des justes, hein, la famille Bompay, enfin Madame Bompay, la fille, et Suzanne Mito. Donc on a les justes parmi les nations, donc on peut évoquer cette thématique-là avec les élèves. Flore et Henri Rabi sont également, 31 et 22 ans au moment de leur déportation, sont également arrêtés, mais un an plus tard, déportés, et eux reviennent. Donc on a aussi le retour. J'avais un peu travaillé sur la spoliation du bien juif, donc ça m'avait permis d'avoir quelques documents, qui ne sont pas forcément toujours très accessibles, qui sont aux archives nationales. Par contre, tout le reste, hein, archives départementales, archives municipales, Yad Vashem en ligne, on a beaucoup d'informations. Maline propose les listes. Alors, je vais vous montrer ça rapidement, c'est pas grand chose a priori, mais les listes de déportation avec éventuellement les photographies qui sont disponibles en ligne sur le site de Maline. Il y a forcément un service pédagogique qui peut vous apporter un certain nombre d'éléments, mais mettre ces documents d'archives dans les mains des élèves, on s'appuie peut-être sur un témoignage, mais on fait l'histoire. On fait l'histoire à partir de documents. Et donc il ne s'agit pas de bannir le témoignage en soi, mais là, d'un seul coup, on fait l'histoire. Le témoignage d'Alexander Rabi, évidemment, on ne l'a pas. Flore, on ne l'a pas. Et je crois que Henri, si je ne dis pas de bêtises, toujours vivant. Je ne sais plus. Il faudrait voir ce qu'on a évoqué dans la revue Safon à plusieurs reprises. J'avais fait un petit résumé avec d'autres collègues dans le dernier numéro. Et donc, on peut travailler sur un support concret en faisant l'histoire, en ne restant pas enfermé dans Roubaix. Roubaix, Malines, Auschwitz, la Russie, on voyage. On peut faire la même chose, je reviens sur les premières violences de guerre, je ne suis pas trop long, avec 14-18, on le fait assez facilement en allant au monument aux morts, en allant chercher sur Mémoire des hommes le parcours de différents soldats, et on peut toujours la même chose en partant, bah, c'était Roubaix en l'occurrence, partant de Roubaix, trouver, pas tous parce qu'ils sont très nombreux, les 50 ou 100 noms de soldats, et puis voir où ils sont nés, quelles étaient leurs professions. Où sont-ils morts? De quoi sont-ils morts? Et on peut rentrer là-dedans, par ce biais-là, dans une approche qui soit historique, sensible, à hauteur d'homme, sans forcément rester uniquement un petit peu comment dire, sur une histoire, certainement pas une histoire bataille, mais on rentre vraiment dans la tranchée sans forcément en creuser une au fond de la cour. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était déjà pas mal. Sur Yad Vashem aussi. Il reste aussi, alors ça c'est peut-être notre travail à nous, mais à produire des ressources qui soient utilisables dans le cadre des lignes de formation ou d'autres pour les différents collèges. Si je pouvais résumer ça en deux, trois idées, la formation continue, l'accès à des ressources qui soient originales, mais qui soient des documents d'archives qui sont relativement accessibles la plupart du temps, relativement accessibles en ligne ou en se déplaçant sur place. Les archives municipales, quelle que soit la ville, c'est 10 minutes pour s'inscrire et puis 2 heures à chercher avec le ou la responsable pour savoir quel contenu il faut fouiller si on est un peu perdu, mais c'est franchement accessible. Si on ne les utilise pas en ligne, il n'y a pas besoin d'autant
autorisation particulière, j'ai jamais eu de souci avec qui que ce soit. Si on veut publier en site en ligne sur le site du lycée ou du collège, il faut demander une autorisation qui est, quand c'est à des fins pédagogiques et non commerciales, toujours acceptée, je pense, il n'y a pas de raison. J'allais oublier, les archives départementales du Nord ont un service éducatif très pointu, très performant, qui propose des choses vraiment très concrètes, efficaces, et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Les professeurs missionnés aussi, dans le cadre de la DAC, sont toujours prêts à répondre, mais il faut les solliciter, il faut aller les chercher. Ils ne peuvent pas venir dans votre établissement, vous proposer des choses, il faut aller vers eux. Quand vous allez vers eux, ils vous répondent. Donc voilà les propositions que je voulais partager avec vous. Très bien, donc même principe, on garde des questions pour après. Je passe tout de suite la parole à la collègue philosophe. Merci beaucoup. Ça va, j'utilise le mot. Alors, forcément, en tant que prof de philo, la question que je me suis posée quand Corinne m'a fait l'amitié de m'inviter, c'est qu'est-ce que la philosophie peut apporter. Je pense que ce qui transparaît depuis ce matin, c'est vraiment cette notion d'interdisciplinarité. Bien sûr, il est beaucoup question d'histoire, mais on a parlé sociaux, on a parlé psycho. Et donc, je vais essayer de vous montrer ce que pourrait être l'apport de la philosophie sur cette question de l'enseignement des finances de guerre. Alors d'abord, par des formations professionnelles, quand j'ai une question, enseigner les violences de guerre dans les classes, d'abord, premier temps, j'analyse les termes du sujet. Et je me rends compte que rien que cette expression, enseigner les violences, elle est déjà en soi extrêmement paradoxale. Alors bien sûr, j'exclus d'emblée qu'il s'agisse d'apprendre à nos élèves à être violents, je ne suis pas stupide, donc ce n'est pas ça la commande de l'institution. Mais je prends quand même ce verbe enseigner, je regardais dans le dictionnaire de la langue française, dans mon Larousse, et j'apprends qu'enseigner, c'est faire apprendre, expliquer, faire connaître. Et si je prends ces verbes au sérieux, ben ça ne va pas de soi d'expliquer la violence aux élèves, et ça ne va pas de soi de faire connaître la violence aux élèves. Le premier point, expliquer la violence, ben d'abord on se pose la question, est-ce que c'est possible d'expliquer la violence ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à expliquer dans la violence de guerre, si elle est un déchaînement incontrôlé, si elle résiste aux tentatives de rationalisation ? Madame Dalder l'a évoqué ce matin, est-ce qu'après tout la violence n'est pas juste quelque chose que l'on peut constater, que l'on va déplorer ? Mais si on l'explique, ça veut dire qu'on veut la rendre intelligible, qu'on veut la rendre compréhensible. Et là, vous voyez venir, il y a un glissement qui s'opère, sur lequel il faut donc être très prudent. Est-ce que je ne risque pas de rendre la violence acceptable si je découvre qu'elle a des raisons d'être ? Et j'en viens donc, du coup, à ma deuxième question. C'est possible, d'accord ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que j'ai le droit de faire connaître la violence ? On l'a dit depuis ce matin, et forcément on est toujours très prudent sur ces questions, voire peut-être mal à l'aise, sans doute à juste titre, nous allons mettre les élèves qui nous sont confiés dans nos classes en présence de faits particulièrement cruels. Des photos de blessures, de cadavres, de témoignages. C'est-à-dire que nous allons confronter nos élèves à la face la plus sombre de l'humanité, à ce que les hommes sont capables d'infliger à leurs semblables pour les humilier, pour les asservir, pour les anéantir. Et je m'appuierai ici sur une citation de Freud dans Malaise dans la culture, qui parlant de la violence dit qu'elle dévoile dans l'homme la bête sauvage. À qui est étrangère l'idée de ménager sa propre espèce ? C'est-à-dire que nous allons faire... Ils le savent sans doute déjà, en tout cas pour mes terminales, ils le savent depuis longtemps. Mais l'homme est cet être qui est incapable de ménager sa propre espèce. Et la question va donc se poser de savoir si nos jeunes élèves ont les ressources émotionnelles pour gérer ce à quoi on va les confronter, et comment faire pour ne pas détruire en eux la confiance dans le monde, la confiance dans les autres, sans laquelle ils ne pourront pas prendre leur place dans ce monde, puisque ce sont des adultes en devenir. Et cette question de la confiance en l'homme, avec un H majuscule, est une question qui se pose nécessairement quand on les expose à des génocides, à une litanie de massacres, comme vous disiez ce matin. Puis dernier point, et après je rentrerai dans le travail propre de la philosophie, pour terminer cette problématisation, là aussi ça a été évoqué par Madame Dalbert, comment rappeler ces faits sans risquer de rendre la violence
intéressante, voire fascinante. Comment faire pour rappeler des génocides sans risquer de propager les idéologies qui sont à l'origine de ces atrocités? On sait bien que c'est un argument promotionnel pour les films, pour les jeux vidéo, de dire qu'il va y avoir du sang. Alors quand on en met nous-mêmes dans nos cours, quand on dit aux élèves qu'il va en être question, est-ce qu'on n'utilise pas aussi cet aspect-là, sans même en avoir vraiment conscience? En tout cas, je pose la question. Et du coup, pour terminer cette problématique, et pour vous montrer que les philosophes en sont très conscients, je citerai Éric Weil, un philosophe du XXe siècle, qui écrit en 1950, la date est importante, « La violence est un problème pour la philosophie. La philosophie n'en est pas un pour la violence qui se rit du philosophe. » Et je pense que c'est un peu la même chose pour l'historien. C'est-à-dire que voilà, nous essayons d'appréhender cet objet, mais cet objet de nous, de nos disciplines, de cette volonté de savoir, de faire sens, elle n'en a pas grand-chose à faire. Et ce, depuis toujours. Alors quand même, malgré ce sentiment d'impuissance, rentrons dans ce qui sera le deuxième temps de mon propos, c'est-à-dire ce que peut faire la philosophie, c'est définir, travailler sur les concepts. Alors comment définit-on en philosophie ce qu'est la violence? Quand y a-t-il violence? Alors, j'ai beaucoup réfléchi, trouvé différentes définitions, et celle sur laquelle je vais travailler avec vous est la suivante. Il y a violence quand on abuse de la force pour contraindre quelqu'un. Il y a violence quand on abuse de la force pour contraindre quelqu'un. Alors cette définition, elle a d'abord l'intérêt d'articuler les moyens et les fins. Le moyen, c'est l'abus de force. J'y reviendrai. La finalité, l'objectif, c'est contraindre quelqu'un. Alors d'abord, je commence donc par cet abus de force. Dans l'esprit des élèves, c'est pas toujours clair cette distinction entre la violence et la force. Il faut leur rappeler que la force en elle-même n'est pas quelque chose de violent, elle est même nécessaire. Exemple simple, si je vous dis que la République est forte, que l'État est fort, on en est très heureux. On ne crée rien sans force. On ne stabilise pas un groupe, on ne protège pas une population sans force. La force est donc absolument nécessaire et créatrice, là où la violence, au contraire, est ce qui va causer du tort, ce qui va désagréger une société, ce qui va détruire. Donc le mot le plus important dans l'expression « abus de force », c'est « abus ». Il y a violence quand cette force est utilisée bien de façon démesurée, quand l'individu outrepasse ses droits et fait irruption dans l'intimité d'autrui. D'ailleurs, si on repart et qu'on se pose la question de ce que pouvait être la violence pour quelqu'un d'antiquité, on va trouver tout de suite la notion d'hubris. C'est-à-dire que ce qui est violent, c'est ce qui introduit du chaos, c'est ce qui introduit du désordre dans l'harmonie du cosmos. L'exemple de l'individu violent pour tous les philosophes de l'Antiquité, c'est le tyran. Donc, abus de force pour contraindre quelqu'un. Alors cette contrainte, il y a débat parmi les penseurs pour savoir si la violence est forcément physique ou pas. Est-ce que les mots peuvent être violents? Je n'entrerai pas dans cette question, j'en ai pas le temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand même, en tout cas pour les violences de guerre, ce sont d'abord des violences physiques, c'est-à-dire une violence qui frappe les corps. Et pour qu'il y ait violence, il faut qu'il y ait derrière une intention délibérée de faire du mal. C'est-à-dire qu'on n'utilisera pas ce concept de violence, par exemple, pour une catastrophe naturelle. Si on est rigoureux sur les termes, on ne devrait pas dire qu'un tremblement de terre est violent. Bien sûr, il fait des victimes, et donc indirectement, il y a des violences pour les individus, mais en lui-même, c'est un phénomène naturel. Les violences dont nous parlons depuis ce matin sont perpétrées délibérément par des individus qui s'arment pour blesser, pour tuer, pour massacrer. Et donc, cette notion de contrainte, elle est très importante parce que ça implique que quelque chose est imposé à l'autre sans lui laisser le choix. Et s'impose à lui de l'extérieur, en détruisant d'abord du coup sa liberté, et puis ensuite son corps, et puis ensuite, on en parlait avec les dessins d'enfants, bien son intégrité psychique. Dernier point, si on veut clore cette définition de la violence, c'est que dans la contrainte, si on contraint quelqu'un, c'est parce qu'on veut obtenir quelque chose de lui. On veut qu'il exécute notre volonté, et finalement l'individu violent se dit que en discuter avec lui,
délibérer, discuter, ça prend trop de temps. Et donc la violence, c'est aussi ce refus du temps. Le violeur refuse le temps de la séduction. Quand Staline fait assassiner ses ennemis, il refuse d'attendre qu'ils meurent de leur belle mort un jour prochain. Il y a une espèce d'accélération, c'est-à-dire que pour l'individu violent, l'attente est inacceptable. Il faut donc frapper ici, maintenant. Et donc pour appuyer cette définition que je vous propose, on la retrouve par exemple chez le penseur de la guerre Clausewitz, au XIXe siècle, qui définit la guerre ainsi, dans son ouvrage de la guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. Donc c'est une définition qui vaut également pour la guerre. Alors, dernier temps de mon propos, après avoir problématisé et puis essayé de cerner ce qu'est la violence en proposant cette définition, qu'est-ce qu'on en fait et quelle feuille de route, en quelque sorte, on peut se donner dans nos classes avec nos élèves, vu les difficultés que j'ai soulevées dans un premier temps. Et puis, dans le cadre de mes lectures, de mes recherches, une fois que la commande a été passée, je suis retombée sur un article d'Edgar Morin dans Le Monde, c'était en 2015 je crois, et je pense que M. Coulet pourra le confirmer, parce que c'est un article qu'il utilise aussi, qui s'intitulait « Éduquer à la paix pour résister à l'esprit de guerre ». Je me suis dit que c'était quand même drôlement intéressant pour notre réflexion commune sur cette question, éduquer à la paix pour résister à l'esprit de guerre. Et Edgar Morin nous propose un triptyque qui pourrait, en tout cas je vous le propose, être notre feuille de route. Il faut énoncer, il faut dénoncer et il faut déraciner. Donc, je vais reprendre ces trois termes. Là, par contre, ce que je mets derrière ces trois termes, c'est ce qui m'inspire, hein, c'est pas directement dans l'article, mais en tout cas, la feuille de route me paraît intéressante. D'abord, énoncer. Énoncer, c'est-à-dire dire à nos élèves ce qui s'est vraiment passé. C'est votre travail d'historien, vous établissez des faits au terme d'une enquête minutieuse, vous convoquez des documents, des archives, des témoignages, et clairement, les élèves comprennent alors que l'histoire, c'est pas la mémoire. Ce sont deux choses différentes. Et parfois, ça peut mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que oser remettre en cause un témoignage, ce que vous disiez par exemple, tu l'as dit, ben voilà, cette survivante-là, elle n'était pas dans un camp d'extermination, elle était dans un camp de travail. Ben voilà, des choses peuvent parfois heurter la sensibilité. Se dire, ben on n'a pas le droit de dire ça parce que ça serait manquer de respect à la victime. Or, rappelons-nous bien le droit, la mémoire pour l'historien est toujours suspecte. Alors si l'historien veut faire son travail, il va falloir y aller, il va falloir la corriger parce que la mémoire est affective, elle est sélective, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime, mais c'est une mémoire, ça n'est pas de l'histoire. Et donc il faut commencer par énoncer. Maintenant, je ne peux pas en rester là, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas attendre de nos élèves que quand ils ont une leçon avec les dates et les nombres de victimes, apprennent cela pour avoir une bonne note à l'examen. Je pense que voilà, on serait tous. Ça ne peut pas être l'objectif quand on parle de la Shoah de dire j'apprends ça pour avoir le bac. Et donc, il faut qu'on puisse faire accéder cet événement à l'intelligence qu'on pourrait appeler l'intelligence du cœur, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'émotion. Cette émotion, elle est inévitable parce que de toute façon, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Alors, on peut l'appeler de l'empathie, de la compassion, c'est lié au fait que comme là encore ça a été évoqué ce matin, ce sont d'autres êtres humains qui ont vécu, et qui ont survécu parfois, à ces événements. L'empathie, la compassion, ce sont des sentiments moraux. C'est-à-dire qu'on est capable d'imaginer cette souffrance. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans l'identification. Comme vous le disiez ce matin, on n'attend pas d'un élève qu'il devienne Anne Frank ou qu'il devienne un poilu à Verdun. C'est pas ça l'objectif. Mais en même temps, si l'élève ne ressentait rien dans un cours de cette nature, on serait inquiet, à juste titre. Et donc, ce qui ressort de ce que vous avez déjà dit ce matin confirme ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des médiations pour aboutir à une émotion maîtrisée. Et cette médiation, ça peut être les œuvres d'art, le tableau d'Autodix, ça peut être le témoignage, l'histoire d'Alexander Rabinovitch, ça peut être un dessin d'enfant,
ces médiations, elles sont indispensables si on veut maîtriser l'émotion et ne pas rendre nos élèves otages de cette émotion. Les rendre otages, c'est l'identification. Vous devez ressentir ce qu'a ressenti Franck. Non, mais en tant qu'être humain, vous savez qu'il s'est passé quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent. Et j'en arrive au dernier point, déraciner. Alors qu'est-ce que ça veut dire déraciner? Déraciner, pour Edgar Morin, c'est déraciner tous les raccourcis, tous les automatismes dans notre esprit qui peuvent faire le lit des violences de demain. C'est-à-dire que c'est tout simplement la transmission des valeurs, c'est ce qui fait le fondement de notre éducation humaniste. Réaffirmer devant nos élèves le respect absolu qui est dû à la dignité humaine. Un être humain, c'est une personne, c'est pas une chose. Ce que les nazis ont fait aux juifs en les chosifiant pour rendre l'accomplissement de leur mission possible. Voilà, précisément, là, c'est pour ça qu'il y a crime contre l'humanité. Déraciner les automatismes, les raccourcis, tout ce qui pourrait faire croire à nos élèves que le monde n'est pas complexe. Et bien, si le monde est complexe, il faut déraciner le manichéisme, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et pour cette ouverture à la complexité et à l'altérité, il n'y a qu'une possibilité, c'est effectivement que les élèves retrouvent ça dans tous leurs enseignements, l'histoire, l'EMC, la philo, la littérature. Et c'est vraiment dans l'interdisciplinarité de cette question, je pense, qu'on pourra trouver, en tout cas, un peu d'optimisme, parce que sinon on ne ferait pas ce travail quand même si on n'était pas optimiste par rapport aux esprits que l'on forme et qui sont les adultes de demain. Je vous remercie.